Allez, bah donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la carte mère des Messies. Donc, c'est une carte mère, c'est juste un monstre qui est posé juste là sur le bureau. Vous devez la voir sur la deuxième caméra. Donc, c'est la carte mère MSI X399 Meg Création. Et puis, cette carte, donc, elle est dessinée avec le socket X399 au processeur Threadripper. Donc, vous savez, il y a les Threadripper, les premiers, on va dire, la version 1. Et puis la génération 2 qui est en train de sortir avec le plus gros processeur qui m'a été donné de toucher, que ce soit aussi bien en nombre de cœurs ou en taille, parce que les Threadripper, c'est vraiment des processeurs qui sont super gros. Et donc voilà, la carte mère accueille ces processeurs-là, et donc vu que le processeur est très gros, un nombre important de cores, bah MSI a fait une carte mère dédiée à ça, et qui est à la hauteur, je pense, du Threadripper 32 cœurs, parce qu'il y a vraiment des étages d'alimentation de folie. J'en ai, que ce soit sur une carte graphique ou sur une carte mère, je pense que j'ai jamais vu un composant informatique doté d'autant de puissance, on va dire, de puissance d'alimentation. Donc voilà, si je devais juste te parler d'une chose sur la Meg, ça serait les étages d'alimentation qui sont monstrueux de cette carte. Sinon, bah on va passer un petit peu en revue la carte sous différents aspects. Je m'attarderai forcément un petit peu plus sur les fonctions overclocking, donc le débuglet, les boutons, etc. Et puis on montrera un petit peu comment on monte un processeur Threadripper dans le socket, parce que c'est pas un truc de folie, mais pour quelqu'un qu'on n'a jamais mis ou qui n'a jamais essayé, bah c'est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Donc voilà, juste que vous puissiez vous rendre compte de comment ça marche. Et puis la raison pour laquelle c'est différent, bah je suppose justement que c'est la taille du processeur. Le socket est juste énorme, et donc un simple petit socket avec un levier ou quelque chose comme ça, je pense qu'il y aurait du mal à assurer le contact au niveau de tous les pins. Flo qui nous demande, es-tu prêt pour les 1000 watts? Ouais, j'ai une alimentation qui est bien costaud. Donc normalement, niveau alimentation externe, donc la power supply, on devrait pas avoir de problème. Si on a un problème, ben, je pense qu'on va être dans la panade, parce que si les 1500 watts suffisent pas à tenir le Threadripper, je sais pas comment on va faire. Après, on pourrait, vu qu'il y a deux connecteurs 8 pins, on va repasser dessus, on pourrait peut-être mettre plusieurs alimentations, mais bon, on va pas exagérer. Dans un premier temps, je pense qu'une alimentation de 1500 watts, ça devrait y arriver à tenir. Ça, on le verra bah, dès qu'on testera le processeur. En termes de test de la carte mère, donc là, je vais vous faire la petite présentation, et après, on fera un petit test sur un autre stream ou sur celui-ci, je ne sais pas encore. On fera un petit test en water cooling et en air cooling, et puis, bien évidemment, bah, Wizard oblige, hein, on fera un test sous azote liquide, et c'est là qu'on va taper le plus dans l'alimentation. Ouais, ton pseudo, je n'essaierai même pas de le prononcer, mon gars. Qui nous dit Hello, bon, pour une fois que j'aime une MSI visuellement, je vais regarder. Ouais, t'as raison, elle est juste trop belle, quoi. D'ailleurs, trop belle, parce que souvent quand j'ai une nouvelle carte mère, je me dis putain, elle est trop belle quoi, et j'ai l'impression de le dire assez régulièrement. Alors, je sais pas si c'est juste mes préférences qui changent ou juste que le matériel est de plus en plus beau, mais celle-là elle déboîte vraiment. Alors, à l'écran, elle ressortira peut-être pas forcément bien parce qu'elle est toute grise et noire, et donc du coup, comme il n'y a pas de couleur au niveau rendu sur l'écran, je sais pas si ça passera bien, mais en vrai, voilà, elle est vraiment jolie. Bon, je pense que j'ai assez blablaté, on va passer sur la carte mère. Si vous avez des questions, j'essaye de suivre un petit peu le chat en temps réel, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, m'en voulez pas si écorche vos pseudos, ben voilà, ça va m'arriver régulièrement. Théoriquement, en termes de pourcentage de performance, le Threadripper, il permet plus de multitâches ou ça passe aussi pour les jeux? Alors, honnêtement, hein, Romain Constant, si tu veux juste faire du gaming, je te déconseille d'acheter un Threadripper à 2000 balles et 32 cœurs. Ça serait du gâchis parce que ce ne sera pas du tout optimisé pour du jeu. Et si tu passes en mode jeu ou comme ça, sur les premiers Threadripper, là, KS16 cœurs, AMD avait fait un mode jeu, un mode gaming. Et en fait, il désactivait certains cœurs pour améliorer un petit peu les perfs et essayer de tomber sur les perfs d'un Ryzen. Donc, ça ne sert à rien de payer pour avoir des cœurs en plus si jamais tu dois les désactiver. Donc, tu peux jouer avec si tu l'as et que tu fais autre chose avec, mais si c'est juste pour du jeu, achète pas ça, quoi. Ils prennent beaucoup de temps pour la qualité visuelle. Ouais, c'est vrai que bah, le visuel, c'est sans doute l'élément le plus important parce qu'au niveau des tarifs, ils essayent un petit peu tous de s'accorder. Enfin, ils regardent un petit peu ce que fait le concurrent, puis ils se mettent sur la même plage tarifaire. Donc, si tu peux pas déterminer au niveau du prix, et puis que les fonctions sont les mêmes, parce qu'au final c'est le même chipset, c'est le même socket, etc. Bah, les gens, ils regardent pas mal le look, surtout maintenant avec tous les PC transparents, les modes, les trucs comme ça, on aime bien que ça soit joli, quoi. Allez, on est parti sur la carte. Alors, bah, hop, la voici. Donc, la carte mère, la X399. Alors, je crois que c'est la Meg X399 création. Ils ont mis le Meg avant. Alors, encore une fois, s'il y en a un qui sait sur le stream, ce que veut dire le Meg, ça m'intéresse. S'il y a
une signification. Donc la carte mère, donc pour les plus grands débutants de carte mère qui connaissent rien du tout au hardware, donc ça, c'est une carte mère. À quoi elle sert? Ben, elle va servir à accueillir tous les composants. Donc au centre de la carte, il y a le socket, c'est là où on va mettre le processeur. Le processeur, il est là derrière moi. Donc là, ce socket, il est vraiment très gros, parce que c'est les plus gros processeurs, je crois, qui niveau taille, excusez-moi, qui existent. Donc le socket est vraiment très gros, mais généralement, il est toujours à cet emplacement-là de la carte mère, plus ou moins gros. Ensuite, de part et d'autre du socket, on a les slots RAM. Alors sur certaines cartes mères, il n'y en a que d'un côté. Et là, vu qu'il y a plusieurs die qui gèrent plusieurs canaux mémoire, etc., c'est un petit peu comme sur les cartes mères Intel de j'allais dire haut de gamme. Il y a aussi du haut de gamme quand on n'a que d'un côté, mais pour accueillir les processeurs x299 où il y a du quad channel et donc il y a les slots des deux côtés. Donc sur ce processeur, sur les Ryzen, il y a une particularité, c'est que le processeur ayant 4 die, il y a un die qui va gérer la RAM qui est de ce côté-là et il y a un autre die qui va gérer la RAM qui est de ce côté-là. Donc c'est pas vraiment du quad channel comme chez Intel où il y a un IMC qui gère ben, les 4. Là ça va être un qui gère 2 et un qui gère 2. Donc je pourrais essayer de vous expliquer si ça vous intéresse plus en détail, mais en gros il y a plusieurs façons de gérer la RAM et donc là c'est un truc un petit peu particulier et suivant le Threadripper que vous allez mettre dedans, la gestion de la RAM sera pas tout à fait la même. Donc on a le socket, de part et d'autre on a les slots RAM, et puis en dessous on a tout ce qui est les ports PCI Express, donc ports PCI Express où vous allez pouvoir mettre des cartes. Type carte graphique, carte son, et puis carte d'extension, peu importe à quoi elle vous sert. Sachant que les cartes d'extension, quand on a une carte qui est aussi bien fournie que ça, il n'y en a pas besoin de bien beaucoup. Mais voilà, généralement, ce qui est le plus utilisé, c'est les ports PCI Express, et au moins un, puisqu'il n'y a pas d'IGP. Non, il n'y a pas d'IGP. Donc si vous mettez pas de. Hep, reviens. Si vous mettez pas, elle va revenir, oui. Si vous mettez pas de carte graphique, ben, du coup vous n'aurez pas d'image. Donc ici vous pouvez mettre les cartes graphiques. Et puis après on a tous les emplacements pour mettre les disques durs M2 donc, qui sont là-dessous. On démontre à la rate pour que je vous montre un petit peu. Des M2, on peut en mettre un gros paquet sur cette carte mère, notamment avec une carte d'extension qui est normalement fournie avec. Sauf que moi j'ai que la carte, j'ai pas eu la boîte ni le bundle, donc je pourrais pas vous montrer. Ça ressemble un petit peu à une carte graphique et en fait quand vous enlevez la ventilation de la carte graphique, vous pouvez mettre plein de M2 dessus. Je crois qu'on doit pouvoir en mettre 4 ou 5, un truc comme ça. On regardera de toute façon, ça doit être indiqué dans les caractéristiques sur le site MSI. Donc voilà, on a les ports PCI Express, on a les ports M2, et puis après, si vous voulez brancher des disques durs SATA, etc., ben vous avez toute une ribambelle de ports un peu plus classiques. Vous avez ensuite tout ce qui est pour les USB qui sont branchés à votre boîtier. Et puis sur l'arrière, si vous regardez les ports USB, c'est pareil, vous en avez déjà un bon petit paquet. Les ports à l'arrière, on a aussi deux connecteurs pour les trucs Ethernet, pour brancher les câbles. Et puis normalement, il y a une carte Wi-Fi, mais bon, j'ai déjà commencé à démonter un petit peu la carte mère avant le stream. Donc la carte Wi-Fi, elle est partie. Je ne peux pas non plus vous montrer les antennes, parce que je les ai pas reçues comme c'est dans le bundle. Voilà, puis après, bah, là, il y a tout ce qui est branchement de la carte son. La carte son qui est découpée du PCB, comme habituellement, isolée pour éviter le bruit électronique, puis améliorer un petit peu la qualité audio. Donc là, on va dire que je vous ai présenté un petit peu à quoi ressemblait une carte mère classique. Ah ouais, puis il y a aussi sur cette carte un gros paquet de connecteurs pour les ventilateurs. Là, vous savez en mettre plus que de raison. Donc voilà, là, c'est les fonctions, on va dire, classiques d'une carte mère, histoire de mettre le processeur, mettre la RAM, mettre les cartes graphiques, brancher votre clavier, votre souris, votre câble Ethernet, etc. On a les connecteurs d'alimentation qui sont ici. Donc le classique 24 pins, où vous branchez, donc c'est le plus gros port de votre alimentation. Et puis après, ici, on a les ports EPS pour mettre donc, les 8 pins de l'alimentation. Ce qui va nous intéresser un petit peu plus, je vais commencer à la démonter juste après. Ce qui va nous intéresser, ce qui va m'intéresser un petit peu plus, c'est toutes les fonctions qui sont pour l'overclocking. Donc sur la carte, en dessous de la carte, vous avez le debug LED. Donc le debug LED, c'est une fonction qui est super pratique. Quand vous allez démarrer votre carte, elle va afficher des codes et suivant le code qu'elle affiche, vous allez pouvoir savoir bah, si elle démarre bien et puis si elle démarre pas, à quel moment elle bloque et puis pourquoi elle bloque. Donc savoir si c'est la RAM qui la bloque, si c'est le processeur qui la bloque, si c'est la carte graphique, etc. Donc surtout quand on fait de l'overclocking et où on a souvent des petits problèmes de boot, et ben ça c'est super pratique parce que ça nous aide à débugger beaucoup plus rapidement. D'où le nom debug LED. Ensuite, juste à côté, on a le bouton reset et le bouton power. Alors là, c'est un peu des incontournables maintenant sur toutes les cartes qui se veulent un tout petit peu haut de gamme. On a ces boutons et puis ça permet, bah, quand on fait comme moi, qu'on a une table de bench et puis qu'on n'a pas un boîtier, ça permet de démarrer et d'arrêter la carte mère sans avoir à sortir le tournevis. Parce que sinon, il y a une méthode, hein. On prend un tournevis, on cherche où est le. Ça doit être celui-là, je pense.
où est-ce que sont les pins où normalement vous branchez le boîtier. On fait un petit court-circuit avec le tournevis sur les deux pins démarrés ou le pin reset et puis ça part. Donc, ou alors on branche un bouton externe, mais disons que d'avoir les petits boutons qui sont directement dessus, ça nous facilite un petit peu la vie. C'est pas une option vitale, mais c'est toujours cool de les avoir. Le debug LED, lui, il est un petit peu plus important parce que c'est plus compliqué à remplacer. On peut avoir des petits debug LED qui se plugent dessus, mais c'est un petit peu plus rare. Romain Constant qui me dit on n'a pas d'infos sur ce que signifie mec. Bah, je demanderai aux gars de MSI ou HQ. Si eux ne savent pas, bah, personne ne saura du coup. Après, on a le petit bouton. Alors, je suppose que c'est un bouton pour faire de l'overclocking automatique. Alors, je vous avoue que c'est peut-être à tort, hein, je n'ai jamais essayé cette fonction, ni sur celle-ci, ni sur une autre, parce que les overclocking automatique, moi, j'y crois pas trop. Ça me fait toujours un petit peu peur. Les cartes, elles ont tendance à envoyer pas mal de volts, ou etc. Donc, je dis pas qu'il faut pas l'utiliser, juste que je ne les ai pas essayés, parce que tout simplement, je connais assez bien l'overclocking, donc j'ai pas besoin d'utiliser une fonction d'overclocking automatique. Donc voilà, là en bas, on a la première partie de ce qui va être dédié à l'overclocking. À l'arrière, on a aussi, ici, excusez-moi, il faut que j'essaie de faire doucement, on a aussi les deux boutons, un pour faire la mise à jour du BIOS et puis un pour faire le clear BIOS. Donc le BIOS, en fait, hein, c'est une petite puce qui va avoir toutes les informations de la carte mère, histoire de dire à quelle tension d'alimentation elle va démarrer, à quelle fréquence le processeur va tourner, à quelle vitesse les ventilateurs vont tourner, enfin, etc. Donc c'est tous les paramètres de fonctionnement de la carte mère, ils sont stockés dans le BIOS. Et donc, quand on fait de l'overclocking, on va modifier ces paramètres pour que la carte aille un petit peu vite, etc. Et le problème, c'est que de temps en temps, on va demander trop à la carte mère, on va lui demander un paramètre qui est instable et elle va plus démarrer. Donc, si elle démarre plus, bah, la solution, c'est de faire un petit clear BIOS, un petit clear CMOS ici, histoire de remettre tous les paramètres en mode usine et puis la carte redémarre. Si jamais vous avez une carte mère qui n'a pas le bouton, c'est pas non plus la mort. Ici, il y a la pile du BIOS, donc il faut enlever la pile. Là, il y a le petit JBAT1. Généralement, sur toutes les cartes mères à côté de la pile, il y a le petit jumper là. Et donc, si vous mettez en court-circuit, donc tout pareil, vous faites sauter la pile, clac, vous mettez en court-circuit ces trucs-là quand la carte est pas alimentée, hein, pendant 2-3 secondes, et puis en fait, ça fait la même fonction que d'appuyer sur le bouton Clear CMOS, ça va remettre à zéro votre BIOS. Alors, c'est pareil, quand on a un godet d'azote liquide qui est ici, qu'on a tout isolé la carte mère, qu'il y a des cartes graphiques qui sont pluggées, aller faire sauter la pile et puis aller foutre le petit coup de tournevis sur les pins, c'est pas pratique. Donc, le simple fait d'avoir un petit bouton à l'arrière, c'est pareil, ça doit pas coûter bien cher, mais c'est très appréciable. Donc, voilà pour les fonctions à l'arrière. Il y en avait une, j'avais dit qu'il fallait pas que j'oublie, et forcément, j'ai oublié. Ah oui, alors là, on entre dans les fonctions un petit peu plus avancées. Sur la carte mère, il y a des autres petits connecteurs comme ceux-ci qui vont permettre de changer à la volée le BCLK de la carte mère. Donc au lieu de passer par un logiciel pardon, qui va permettre d'overclocker, donc déjà vous pouvez overclocker dans le BIOS hein, bien entendu, mais une fois que vous êtes sous Windows, si jamais vous voulez overclocker sans passer par un logiciel, vous avez les petits boutons là qui servent à faire le Bclock up et le Bclock down, donc à monter ou à baisser le BCLK sans avoir passé par le logiciel. Donc c'est toujours sympa. Et puis ouais, c'est quelque chose qui sert un petit peu plus pour l'overclocking. Si vous êtes en train de jouer, je pense pas que vous allez y aller brancher un bouton là-dessus pour overclocker en même temps que vous êtes en train de jouer. Et puis il y en a un autre de connecteur. Alors le problème c'est que j'ai pas regardé avant de commencer le stream. Je sais où il est, enfin, je sais où il est, je sais à peu près où il se situe, je sais à quoi il sert, mais je ne l'ai pas localisé précisément. Il y en a qui servent, ah, c'est celui-là, c'est ce que je craignais, c'est qu'il est caché, il est caché sous le rad, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Des boutons qui servent à l'overclocking extrême aussi. Pour le slow mode. Donc le slow mode, c'est quand la carte elle tourne à pleine vitesse, si jamais vous faites un court-circuit sur ces deux pins. Alors le court-circuit c'est volontaire, un court-circuit c'est pas forcément un accident. Si vous mettez en contact ces deux pins avec un petit bouton, là, vous pouvez brancher un petit bouton déporté, ça permet de ralentir la fréquence du processeur. Alors je crois que c'est un truc genre 550 MHz au lieu de la fréquence où vous êtes. Et comme ça, votre processeur il chauffe plus du tout et puis vous avez le temps de faire ce que vous voulez, d'économiser un petit peu d'azote, de le refroidir, etc. Alors, Colonel Strike qui dit j'ai pareil sur ma Maximus 10.0. Alors, qu'est-ce qu'il a pareil? Pareil que quoi? J'aurais dû peut-être recommencer un petit peu plus tôt. Alors, surtout quand il a compagnie, car le TR4 et Ryzen, j'ai quelques soucis de stabilité. MSI Enthusiast Gaming. Bah, merci Arabière pour la description. Donc, le MEG veut dire MSI Enthusiast Gaming. Alors c'est bizarre de appeler cette carte mère gaming parce que je pense pas que ce soit son focus principal.
Mais bon. Brosmads qui nous dit surtout que l'overclocking est parfois durement fait par les fabricants en mode OC sur une Maximus alors 8, il met le décor en 1.5 direct en auto. Ah oui, et puis donc c'est ça que Colin Strike disait qu'il avait pareil avec un 52 à 5G. Ouais, voilà pourquoi j'aime pas trop les overclocking automatiques. De temps en temps, les fabricants sont un petit peu violents sur les décors. Alors je parle pas de cette carte-là, je l'ai pas encore bootée donc je peux pas. Je ne peux pas vous dire si c'est bien fait ou pas, tout simplement parce que je ne l'ai pas testé. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'overclocking, ben c'est mieux que, c'est sans doute mieux que rien. Mais dès que vous savez un petit peu ce que vous faites, vous avez meilleur temps de mettre un petit peu les mains dans le BIOS et puis d'aller ajuster les paramètres vous-même, quoi. Ok. Nexis qui nous fait que ça veut peut-être dire Meltdown Granted ou Mucho Extra Grande. Oui. Donc c'était une blague, mais d'accord, merci à toi. Ensuite, c'est quoi la ref de ta montre, s'il te plaît? Le truc qui n'a aucun rapport. La ref de ma montre, c'est une Garmin 235. C'est comme je fais un petit peu du running pour garder la ligne. C'est une montre qui fait, c'est une montre pour la course à pied. Et voilà, c'est pour ça que j'ai toujours cette montre-là, parce que j'ai juste la flemme de la retirer. Donc de temps en temps, je change le bracelet, histoire de s'accorder avec mon t-shirt MSI ou avec mes t-shirts WZERTY. et voilà la petite histoire, donc Garmin 235. Tout ce que vous dites est n'importe quoi, vous n'êtes pas professionnel, Google Traduction, I'm English, ok. Donc si l'objet d'utiliser Google Traduction pour savoir, enfin pour pouvoir me répondre, comment est-ce qu'il comprend ce que je dis? Étrange, étrange. Eh ben on va commencer à démonter les rades. Alors les rades, donc là sur cette partie-là, c'est autant ça c'est du rad en plastique qui est très joli, hein, mais qui reste un rad en plastique. Enfin c'est pas un rad, c'est un cache en plastique. Donc pour le retirer, vous avez trois vis à l'arrière. Là je vais pas vous donner un cours de tournevis. Hop. Une fois que vous avez retiré, allez-y doucement parce que vous aurez ce petit bidule là qui va être accroché à la carte mère. Moi, je l'ai déjà retiré. Et puis là, le petit conseil, hein, parce que j'aime bien donner mes petites astuces au fur et à mesure. Dès que vous démontez quelque chose, si jamais vous démontez quelque chose, pensez à remettre les vis directement sur ce que vous venez de démonter. Tout simplement parce que des vis, ça se perd super vite, et puis qu'à un moment ou à un autre, il y a deux vis qui vont se ressembler, qui n'auront pas la même longueur ou qui n'auront pas exactement la même taille, vous n'allez plus savoir sur quel rad elle allait, etc. Donc une fois que vous avez démonté, juste vous prenez 20 secondes, vous revissez les vis, même si elles ne sont pas entièrement. Ça vous évite de les paumer, et puis au moins quand vous allez remonter ça, eh ben, ça sera propre. Donc ouais, là ce que je disais, hein, c'est un cache juste pour le Yeo Shield. Je pense qu'il est tout en plastique. Il y a peut-être cette partie-là qui est de l'alu qui est collée sur le plastique parce que c'est en plusieurs pièces. En tout cas, là, ça, c'est certain que c'est du plastique. Et ça fait quand même au toucher, ça fait assez froid. Donc on dirait qu'ils ont peut-être mis de l'alu. En tout cas, il est joli. Il ne fait pas de cheat du tout, si c'est une crainte que vous avez. Donc une fois qu'on a démonté ça, il y avait ici la carte Wi-Fi que j'ai déjà démontée. Puis pareil, j'ai remis les petites vis dessus. Là, il y a les 4 vis, ça doit être pour le rad du PCH, mais on verra ça après. Là, ça, c'est quelque chose que vous allez avoir à démonter si jamais vous voulez mettre des disques durs M2. Donc là, c'est la partie refroidissement des disques durs M2. Donc, ce n'est pas un rad du PCH, c'est des choses qui viennent dessus pour refroidir les disques qui sont dessous. Donc, on va démonter, et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, pour le démonter, vous avez une vis à droite, une vis à gauche, ou au contraire, hein, suivant l'angle que vous regardez. Enfin, pour vous, c'est peut-être même en haut ou en bas. Ouais. Et puis une toute petite vis qui se cache là. Hop. Alors vous allez voir, une fois qu'elle est démontée, elle est toujours aussi impressionnante, mais elle est beaucoup moins jolie. Du coup. Ce que j'apprécie sur cette carte aussi, c'est qu'il y a plein de rades partout, ce qui fait qu'elle est jolie, mais il n'y a aucun rad qui sert à rien. Parce que des fois on voit des cartes, alors je donnerai pas de marque ou de modèle, hein, mais on voit des rads au milieu de la carte là avec un gros truc en alu, des ailettes, machin, et en fait quand tu le démontes, tu t'aperçois que c'est en contact avec rien du tout. Ça m'énerve. Donc voilà, là j'ai démonté la première partie, celle qui était là, vous allez voir, ça fait un petit avion quand on le reconstitue. Et donc dessous, il y a deux pattes thermiques pour les disques M2. Donc les disques M2, il y en a un qui va ici, tac tac tac, et puis il y en a un qui va ici, tac tac tac.
Et alors, si on démonte le deuxième, donc le deuxième, vous avez deux petites vis qui serrent le rad de du M2 contre celui du PCH. Et puis ici, normalement, il y a une vis, mais je l'ai essayé de changer. Et puis à l'arrière de celui-ci, vous avez aussi un pad thermique pour le petit M2 qui est là. Alors lui, je pense que c'est pour des disques un petit peu plus courts, parce qu'il y aura un an, on peut décaler les vis, non, on doit pouvoir mettre des longs aussi. Donc voilà, donc ces deux morceaux de, on va dire de métal, mais je pense que c'est de l'aluminium, servent donc de refroidissement pour les disques que vous connecteriez à ces emplacements. Et donc ouais, je vous disais, ça fait un petit avion. Je crois que c'est un B-21, le prochain avion un peu furtif là. Si vous voyez les avions furtifs américains, je trouve que ça ressemble trop à ça quoi. J'ai regardé hier sur internet, c'est pas le B2, c'est le nouveau là qui va sortir qui ressemble trop à ça, c'est un truc genre B21. Et puis voilà, c'était le moment craquage, mais quand je l'ai démonté, quand j'ai démonté et que je l'ai posé sur mon bureau, tu as fait. Alors, où est-ce que j'en suis au niveau du chat? Tu l'as haussé, donc ça c'est pas pour moi. Alors, Tiaja, si tu parles de vigrenier chez moi, j'essaye de débarrasser autant que je peux. Ce matin, j'étais content, j'ai fait 5 colis. Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir aller débarrasser ça à la poste. Ça fait un petit peu de place dans le bureau parce que ça déborde complètement. Et donc, j'avais pas fini d'imprimer mon dernier mot de livraison. Que t'as UPS qui est venu et qui m'a livré deux, j'allais dire un gros mot, de super gros colis avec tout du water cooling dedans pour ma prochaine review. Elle laisse tomber quoi. L'équivalent des 5 cartons que j'ai débarrassés, ils ont été remplacés en 2 secondes. Donc, plus tu débarrasses, plus ça remplit quoi. Nice, ça c'est très bien. Bon, je sais pas de quoi il parle. Wizerty, comme vous le savez peut-être, alors déjà si vous voulez, vous pouvez me tutoyer, hein, y a pas de problème. Comme vous le savez peut-être déjà, MSI a décidé de réunir sa gamme de cartes mères et propose trois grandes familles: Enthusiast Gaming, Performance Gaming et Arsenal Gaming. Ben non, je ne savais pas. Eh ben merci beaucoup pour cette info. Mais du coup, il n'y a pas de carte professionnelle ou autre, donc tu as le choix entre du gaming ou de la performance ou de l'arsenal. Puis alors, qu'est-ce que veut dire arsenal? Si tu sais me dire quelle est la gamme, c'est le entre guillemets le bas de gamme. Alors, Radial TV, bonjour, quel logiciel fiable pour avoir la température de mon CPU? Moi j'utilise CoreTemp parce qu'il est tout petit puis qu'il est léger. Voilà. Je crois juste quand tu l'installes CoreTemp, fais gaffe parce qu'il y a un petit truc genre My Kingdom, enfin un petit jeu, donc pense à décocher la case, quoi. Ensuite, le mien aussi. Alors, le tien de quoi? Oh, j'ai du mal à vous suivre sur le chat. T'as pris quelle marque? Alors, moi, je vais te vouvoyer vu que tu lis pas mon pseudo. Allez, je vais bien essayer. Alors, Axiom Mode, oh putain, Ding Twitch, Axiom Mode Ding Twitch. Ah, j'ai trop des problèmes de lecture quoi. Wizerty, un i7 3820 pour de l'encodage perma, un avis. Ouais, ça semble vieux, alors je pense qu'il y a mieux. En même temps, si tu l'as sous la main, essaye, hein, ça doit pas coûter très très cher, donc feu. Hein. En même temps, il est pas beau ton pseudo, c'est pas très gentil de dire ça, mais il est super dur quoi. J'ai été obligé de coller ma tête à l'écran pour le lire quoi. Oh le blaireau. Wizerty, c'était une quote de leur annonce. Ah ok, bon bah pas de souci. Ton colis, ouais, il est parti, la gaffe, il faisait partie du groupe, donc il est parti. Mais toi, c'était un tout petit colis, quoi. Enfin, je sais pas si vous allez voir derrière moi. Je veux dire, quand tu envoies un petit colis comme ça qui contient deux sticks RAM et puis que t'en reçois un qui remplirait tout le champ de la cam et qui a 40 kg de matos water cooling dedans, ça équilibre pas, tu vois. Désolé pour la montre, c'est hors sujet, mais elle est bien stylée. Non, mais y a pas de souci, tu es sur mon stream, tu peux parler de quoi. Tant que ça reste dans le respect de l'homme, tu peux parler de n'importe quoi, c'est pas un souci. De toute façon, si j'avais pas voulu te répondre, juste je t'ignorais. J'ai gagné, donc j'ai réussi à lire ton pseudo, bien, c'est chaud quoi. Mathias Moulard, Spotted. Donc je pense que c'est la personne qui se cache derrière le pseudo imprononçable. Bon, on rattaque. Donc, on a commencé à démonter. Ah, toujours, je m'éparpille, c'est un truc de ouf, quoi. On a démonté donc le premier rad. Ici, donc c'est celui du PCH, celui où il y a tout ce qui gère, on va dire, certaines lignes, certaines, pas toutes, lignes PCI Express et puis certains SATA, etc. Si jamais vous voulez le démonter, il y a les 4 vis qui sont là. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a pas de raison de l'enlever, celui-là. Donc, je les laisse.
De toute façon, dessous, il n'y aurait rien à voir. Un autre qu'on va pouvoir démonter et qui est beaucoup plus intéressant, parce que c'est là que la carte mère va prendre toute sa dimension, c'est le RAL qui couvre les VRM. Donc ici, et là, attention, il y a du lourd. Donc pour démonter ça, faut que je pose doucement, il y a trois vis ici qui vont permettre de faire sauter une partie du RAL. Et donc il y a une petite barrette de dissipation à l'arrière de la carte pour refroidir encore plus la carte mère derrière les VRM. Parce que comme vous en doutez, les processeurs, si on prend les plus gros processeurs, ça va chauffer vraiment vraiment très très fort. Et donc les VRM, même s'il y en a beaucoup, ils vont être fortement sollicités. Les plus petits, je crois, hein, je dis peut-être une bêtise, mais les plus petits Threadripper, ça doit être des 8 cœurs sur la génération 1. Et puis le plus gros, ça doit être du 32 cœurs. Donc une fois que vous avez enlevé toutes les vis, vous pouvez faire tomber le RAD. La première fois, là, je ne sais pas s'il va partir rapidement, mais la première fois que je l'ai enlevé, j'ai eu beaucoup de mal à retirer cette partie-là. Je pense qu'il y a une partie qui doit passer à travers les trous de fixation. Bah, pareil. Et puis c'est bien bien ajusté, du coup, pas facile à le retirer. Ouais. Toujours peur quand on enlève un truc, parce que là, t'as quelques centaines de grammes de matos dans les mains. Toujours peur quand on enlève un truc comme ça, tu sais, d'arracher un condensateur ou de faire du dégât. Donc là, le RAD, déjà, il est lourd, donc il doit avoir une grosse inertie. Mais surtout, ils ont eu la présence d'esprit de faire des ailettes dedans, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors comment je vais vous montrer ça? Vous voyez qu'ils ont usiné, donc sur tout le long, des ailettes, que ce soit à l'intérieur, que ce soit ici, et puis ils en ont même fait un petit peu ici. Alors c'est pas non plus, c'est pas des ailettes de folie, on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'ils ont essayé d'équilibrer entre quelque chose qui a suffisamment d'ailettes pour être performant et puis assez massif pour faire impressionnant. Donc à l'essai, je vous dirai si ça marche. Vu ce qu'il y a dessous, ça serait un drame que ça marche pas. Et puis vu que je sais qu'on a déjà utilisé cette carte mère sous azote liquide pour faire des grosses fréquences avec des grosses tensions d'alimentation. En air, pour vous, il n'y aura pas de souci, quoi. Alors voilà la bête. Et là, je pense que ça parle. Pour ceux qui ont déjà vu des cartes mères et des étages d'alimentation, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'en parler beaucoup plus. Donc les étages d'alimentation qui alimentent juste les cœurs, on ne parle pas encore du SOC ou de la RAM ou etc. Donc juste les cœurs du processeur, ils commencent ici. Et puis ils finissent là. Donc il n'y a pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 étages d'alimentation. Et puis c'est des VRM qui sont costauds aussi. Parce qu'on peut en mettre plein et en mettre plein qui ne sont pas costauds. Là, ils ont non seulement mis des trucs solides et en plus ils en ont mis beaucoup. Donc là, ça doit quand même envoyer du watt. Il me semble, dans les discussions avec les ingénieurs MSI, qu'on a dit 70 ampères par étage. Donc 70, je vais essayer d'accéder à ma calculatrice sans couper le stream. 70 x 16, donc on doit pouvoir envoyer. Ouais, ça doit être ça. Plus de 1000 ampères. J'ai bien dit 16, hein. Je crois que c'est 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est ça. Donc on doit pouvoir envoyer plus de 1000 ampères avec les VRM. Alors évidemment, les VRM, plus ils chauffent, plus l'ampérage maximum qu'ils sont capables de délivrer chute. Donc quand ils sont frais, on peut envoyer 70 ampères. Si jamais ils chauffent trop, bah, ça va descendre 60, 50, etc. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de refroidir les VRM. Plus ils sont frais, plus ils dureront longtemps et puis plus ils sont capables d'envoyer du jus. Donc voilà, cette partie-là, c'est juste pour le processeur. Ensuite, on a une autre partie, donc sur les processeurs AMD, on a une autre partie, c'est toute la partie qui est le SOC. Et donc là, c'est géré par trois autres VRM, donc qui sont ici. Donc ceux-là sont dédiés au SOC. Et puis après, ben, comme il y a de la RAM de chaque côté, il faut bien pouvoir l'alimenter, cette RAM. Et donc là, il y a des étages d'alimentation. Donc ici, pour ces channels-là. Ces canaux-là, enfin ces slots, pardon. Quoique slot c'est anglais aussi, ça va pas mieux, quoi. Ces emplacements, ces connecteurs, ces choisissez ce que vous voulez. Et puis pour ceux qui sont de l'autre côté, c'est ici. Donc voilà, on a processeur, SOC, la RAM et puis encore de la RAM. Donc là, niveau étage d'alimentation, c'est vraiment un super costaud. Après, si jamais je ferai un stream un jour dédié, très prochainement, et promis, je le ferai, dédié à l'alimentation d'une carte mère. Pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, mais grosso modo, vous avez 230 volts qui arrivent donc à votre mur, vous branchez votre bloc d'alimentation, votre power supply, votre PSU,
Elle va transformer le 230 en 12 volts en majorité. Vous allez connecter votre alimentation ici, ici et ici. Donc là, on a deux 8 pins pour le processeur. Donc là, il y a du 12 volts qui arrive, sauf que votre processeur, lui, ne tourne pas en 12 volts, il va tourner, je sais pas, 1,2 volts. Et donc pour transformer le 12 en 1,2, ben, c'est ces étages d'alimentation là qui vont le faire. Et donc plus le processeur va être costaud, avoir un nombre de cœurs important, va tourner à une fréquence importante, etc., plus il aura besoin d'une puissance importante, et donc plus les VRM, bah, il faut qu'ils soient costauds. Parce que si vous avez juste un petit VRM et que vous essayez de faire passer 1000 ampères dedans, autant vous dire qu'il va exploser instantanément. Donc c'est pour ça. Après, c'est pas parce qu'il y en a plus que c'est mieux, il faut évidemment qu'il soit de bonne qualité. Donc là, on en a beaucoup et de bonne qualité, donc c'est pour ça que c'est une carte mère qui a vraiment été faite pour les plus gros processeurs AMD, là, les Threadripper 2 qui arrivent et qui ont 32 cœurs. J'ai perdu un petit peu. Je remonte au niveau du chat. Flo qui me dit, si tu n'as plus de place, tu peux m'envoyer du matos. Ben, il n'y a pas de souci, dis-moi ce dont tu as besoin et puis on s'arrange. Après, Bromast, j'ai un 6700K en PC principal et je veux envoyer tout vers du 3820 pour le laisser faire l'encodage et l'enregistrement pour libérer sur le. Oui, bah tu essayes et puis tu verras bien si tu l'as déjà. Hein. De toute façon, encore une fois, les 3820, c'est vieux, donc ça ne doit pas coûter très très cher. Ok, nice, ça du bon matos, j'aime bien. Bon, ça doit pas être pour moi. Wizerty, si tu as des news, s'il compte faire un refresh des Skylake X avec l'IHS soudé. Non, j'ai pas de nouvelles à ce niveau-là. Je pense que tu fais allusion au prochain processeur Intel qui devrait sortir sur une nouvelle génération de cartes mères et qui devrait plus être à base de pâte thermique mais qui devrait être soudée. Donc tu veux savoir si sur d'autres sockets ils vont faire pareil. Je ne sais pas. Et puis même si je savais, j'aurais pas le droit de t'en parler. Mais je ne sais pas. Il ne parle pas pour le moment. Hein. Ah mince, la musique à pêcher, Threadripper. Non, je n'ai pas fait. Qui nous dit au revoir? Alors, j'essaie de rattraper le chat, mais j'ai du mal à voir quand c'est pour moi ou pas. À la limite, pensez à mettre du Wizerty quand c'est pour moi, ce sera plus facile à suivre. Les VRM sont monstrueux sur cette carte, tout à fait. Les ports, je ne pense pas que ce soit pour moi. Colonel Strike qui dit 1,42, 1,43, c'est safe pour du H24 sur un 8700K d'élite. Ça dépend un petit peu de ton RAID, ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Si jamais tu as vraiment une utilisation intense, genre AVX, etc., je pense que c'est déjà trop. En tout cas, moi, je ne mettrais pas plus de 1,35. Si jamais tu veux, sur Tom's Hardware, j'ai fait un article sur du 8700K d'élite. Je crois que c'était un truc. Je ne sais plus le nom de l'article. Si tu tapes Wizerty sur Tom's Hardware, tu devrais trouver. Où je mets un petit peu ben, tous les courbes d'évolution du processeur en fonction de la tension d'alimentation. Donc tu peux voir de 1 à 1,5 volts, je crois, chaque fréquence qu'il prend pour chaque palier. Et puis après, j'ai tracé la courbe de consommation aussi en fonction de tous ces paliers. Et tu vas voir que dès que tu dépasses un certain palier, tu as besoin de mettre beaucoup de tension d'alimentation pour monter un tout petit peu la fréquence. Et que du coup, la consommation et la température, elle explose complètement. Et donc ça vaut pas le coup, quoi. Autant rester un petit peu en retrait et puis que ça chauffe et que ça consomme un petit peu moins. Alors, j'ai download Core Temp. Temp max, c'est la température max depuis le début de vie du PC. Non, la température max, c'est depuis que tu as lancé le logiciel et que tu l'as reset. Si jamais tu appuies sur F5 ou F6, je confonds tout le temps, c'est un des deux, ça resettera le min et le max de ton logiciel. Sinon, tu le fermes et tu le relances. Mais F5 ou F6, ça marche bien. 1000 A sur un seul VRM, j'attends le test. Le test, ça va faire un petit piouf. Whisky Lake, mais pourquoi pas? Wizerty Lake, ouais, aussi, ils peuvent. Hein. Alors, Pierre du 21, Wizerty, tu seras là à Paris Games Week. Mais pour l'instant, j'ai pas été invité, donc si je suis pas invité, moi, j'y viens pro. Je suis comme ça. Donc, non, je pense que je n'y serai pas. Là, je suis à 1,34, 5G, 44. Ouais, alors je pense soit tu as un processeur qui n'est pas bon, soit tu as oublié de mettre des offsets AVX. Si tu n'utilises pas ouais, voilà, zéro offset AVX. Si tu fais pas beaucoup de tests avec AVX, pense à mettre un offset AVX et tu verras que ton CPU, il doit sans doute pouvoir prendre plus. Ou alors tu testes avec un logiciel. Je crois que la version de Prime 95, moi je teste avec ça, la version de Prime 95, version 26,6, je crois. Elle n'utilise pas l'AVX. Donc, si jamais tu veux tester ton pro sans AVX, tu peux utiliser celle-là. Et puis après, si tu prends des versions de Prime 95 qui sont plus récentes, genre 28,2,
je crois. Là, il y a la VX, donc du coup, tu sollicites avec. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Pareil, regarde sur mes tests TOMS Hardware, je fais toujours un test avec Prime 95 AVX et Prime 95 sans AVX, parce que du coup, ça sert à rien de tester des instructions qui consomment et qui chauffent à mort si jamais tu les utilises pas. Autant optimiser ton processeur réellement sans les instructions. Bon, bah allez hop, on reprend sur la carte mère. Donc là, on va essayer de monter le processeur. Comme je vous avais dit, le processeur, c'est un petit peu un truc spécial. Au niveau du socket, c'est pas comme sur les Ryzen où tu as un petit loquet, que tu glisses le processeur qui lui a l'épine et où tu rebaisses le loquet, ou comme sur les Intel où tu as deux petits leviers, tu mets le processeur dedans et tu refermes. Là, il y a des vis dessus. Et puis, je vais aller chercher un Ryzen, vous montrer un petit peu la taille du Ryzen à côté des Threadripper. Salut à Petit Lu. Salut à Patate aussi. Alors, les Ryzen. Donc, les Ryzen, je pense que vous connaissez tous les processeurs d'AMD Ryzen, que ce soit du R3, R5, R7. De toute façon, ils ont tous la même taille, en tout cas d'apparence externe. Donc, voilà la taille d'un Ryzen. Et puis, voilà la taille d'un Threadripper. Je pense que ça parle de lui-même. Donc ouais, le Threadripper est juste énorme. Et en fait, dans les Threadripper, alors j'avais dessiné sur un. Donc là, quand vous avez le Ryzen, vous avez la protection. Là, l'IHS, c'est comme les CPU Intel, vous pouvez retirer. Enfin, là, vous pouvez pas parce qu'ils sont soudés. Donc essayez pas de décaps un Ryzen, là, ça marchera pas. À part certains APU. Et donc en fait, vous avez un gros capot métallique de protection, mais dessous, le die, il est pas si gros. Il fait à peu près cette taille-là, quoi. On va dire la taille de mon petit doigt en travers. Donc voilà un processeur Ryzen. Et en fait, sur les Threadripper, AMD, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le cœur d'un Ryzen. Alors, je range ça. Donc là, c'est des Threadripper. Celui-là, c'est un Threadripper 1 sur lequel j'avais dessiné pour voir un petit peu si mon godet il avait une chance de toucher ou pas la partie à refroidir. Et donc là, j'avais dessiné un petit peu où sont les die. Donc ils ont pris les die des Ryzen, puis en fait, ils en ont mis plusieurs. Donc sur la première génération, ils en avaient mis deux. Deux vrais et deux faux. Donc en fait, ici vous avez une petite barre qui fait le die d'un Ryzen, donc qui a 8 cœurs. Ici vous en avez une autre qui a 8 cœurs. Ici vous en avez une autre qui a 8 cœurs. Et puis ici vous en avez une autre qui a 8 cœurs. Donc quand vous avez un processeur qui a 16 cœurs, ben, en fait c'est que vous en avez un là et un là. Et puis que les autres c'est des qui sont pas fonctionnels. Et puis sur les nouveaux qui font 32 cœurs, ben, on suppose très fortement que là il y en a un qui a 8 cœurs, 8 cœurs, 8 cœurs, 8 cœurs. Donc en fait, ils ont pris quelque chose et puis ils l'ont fait. Ils l'ont collé sur le PCB, ils l'ont linké avec des ports très rapides, etc. pour pas qu'il y ait trop de. Pour pas qu'il y ait trop de latence ou de perte de performance, etc. Et puis voilà. Je peux le toucher un peu si tu. Tiens. Alors. Ouh là là, tous les Threadripper. Là, les Threadripper, c'est que ceux-ci. Hein. Les autres, c'était du Ryzen, c'est pas pareil. Comment il va, Louisou? Il va très très bien, merci. Bonjour à Destru TV, tu as le nouveau 32 coeurs. Ah, je sais pas si le NDA il est tombé. Faut que. En tout cas, si je l'ai, il serait par là. Si jamais je l'avais. Ensuite, sur les Threadripper 2 en 16 cœurs, il y a 2 ou 4 die actifs. Bah, je pense qu'il n'y en a que 2. Après, je t'avoue, Flo, que je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais une fois qu'il y a un processeur plus gros qui est sorti, les autres, je m'y intéresse plus beaucoup. Et donc, il y a un an, là, quand les Threadripper sont sortis, et puis que j'ai eu celui-ci. Donc celui-là, c'est le 16 cœurs de la génération précédente. Mais c'était juste monstrueux parce que les Intel ils n'avaient pas encore fait des processeurs à 16 cœurs, donc j'avais que des 10 cœurs. Et donc tu vois, tu passes de 10 à 16, tu te dis waouh, mon Dieu quoi. Et puis un an plus tard, tu te dis ouais, ben, il a que 16 cœurs parce qu'à côté t'en as peut-être un qui a le double quoi. Et c'est fou à la vitesse où ça évolue quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans mon PC H24, là j'ai un pros qui a, je sais pas, il doit être 4 cœurs 8 threads. Et puis ouais, il y a ne serait-ce 2 ans, 4 cœurs 8 threads c'était déjà énorme quoi. Maintenant. Tu regardes combien t'as de fois de plus de cœur dans un truc comme ça là, c'est monstrueux quoi. Alors, Wizerty, j'ai toujours la 980 Poséidon à t'envoyer pour regarder pourquoi elle plante en pleine charge sinon poubelle. Ah ok, bah là je t'avoue que cette semaine c'est pas la peine de me l'envoyer, mais sinon si je t'avais déjà donné mon adresse, tu peux. Je regarderai pas cette semaine, mais tu peux l'envoyer. Puis sinon demande-moi sur Facebook et je te ferai ça pour regarder un petit coup. Au pire, je ferai un petit stream pour montrer comment fonctionne une carte graphique et puis j'utiliserai ta carte. Toi aussi, tu es fétichiste. Si vous voulez venir les caresser, je peux vous inviter.
Il me semble 2 die sur TR1 et 4 die sur les 32 cœurs TR2. Oui, il y a bien 4 die de sûr sur les nouveaux parce que sinon ça ferait pas 32 cœurs. Et puis sur les anciens, il y en avait 2. Alors il y en avait 4, mais il y en a 2 qui étaient des faux pour essayer d'équilibrer un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. C'est que si on regarde l'évolution, les premiers quad cœurs Intel, bon, ils sont pas tout récents, mais c'est resté à 4 cœurs pendant longtemps, en 4, 4, 6. Et puis après, là, ça a flambé, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Wisco qui dit salut Wizerty, il me semble que le NNDA a sauté à 15 h. Il me semble c'était, enfin en tout cas moi je connais l'heure, c'était 9 h l'heure des US, et donc je pense qu'il doit y avoir une connerie genre 6 h de décalage, donc ouais ça a dû sauter ou ça saute dans quelques minutes, enfin peu importe. Angelo, salut à tous. Deux demi, ouais, il y en avait deux faux. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent les Threadripper, là, il y a Derbauer, l'overclocker allemand, qui avait fait des super vidéos sur les Threadripper 1, où il avait réussi à les décaper parce qu'ils sont soudés, donc c'était pas facile, et où il avait pris après les dalles, il avait montré les dalles, il les avait poncés, il les avait mis de l'acide dessus, etc., pour vraiment voir à quoi ça ressemblait dedans. Sa vidéo, pour celui qui veut vraiment rentrer un petit peu dans la technique du pros, elle était vraiment géniale, quoi. Ok, bah si t'as mon adresse, vas-y, envoie. Allez, ben on met le processeur dedans. Donc, on a une clé quand on achète un Threadripper. Il y a une clé spéciale qui permet de serrer le socket. Donc, c'est une clé, vous savez, qui débraye. Donc, à un moment, quand vous forcez suffisamment fort, ben, la clé elle va pas aller plus loin. Elle va limiter en couple. Donc, une clé dynamométrique pour ceux qui connaissent un petit peu la mécanique. Et puis, ça évite de serrer comme des bourrins ou de pas serrer. Au moins, tu serres jusqu'à ce que tu entendes que la clé elle fasse claque. Et au moins, tu es sûr que tu as mis le bon couple de serrage. Suffisant pour que le processeur plaque bien et puis pas trop pour pas le casser. Donc sur les sockets des Threadripper, il y a toujours écrit le mode d'emploi au cas où tu ne saches pas le faire. Est-ce que ça va y arriver à faire le zoom? Donc on voit ici close 1, 2, 3 et puis open 3, 2, 1 et puis on a les numéros 1, 2, 3. Donc ils nous disent dans quel ordre il faut dévisser. Donc moi vu que je veux ouvrir, donc je suis censé faire 3, 2, 1. Hop, et voilà, le socket il s'est ouvert. Donc une fois que le socket est ouvert, il y a un petit peu de ressort. Il y a le cache socket, et donc là c'est toujours le moment où tu l'enlèves et où tu as toujours peur qu'il tombe dedans ou te foutre un doigt dedans. Alors, est-ce que ça va le lever avec? Non. Donc une fois qu'on a retiré donc, les vis, il y a ce truc-là qui monte, et après, une fois que ce truc-là est monté, il y a le deuxième cadre qui monte. Okay, et après, il y a le cache socket. Donc le cache socket, c'est pour protéger le socket. Histoire de ne pas faire les blaireaux et de pas laisser tomber un tournevis dedans ou de foutre un doigt dedans, etc. quand tu transportes la carte. Et hop. Et donc là, on voit un petit peu la taille du socket. Donc là, ça ressemble, donc c'est du socket, je crois que c'est LGA. Hein. J'ai vu passer un truc dans ce style-là qui était écrit quelque part. Voilà, c'est du LGA. C'est-à-dire que les pins sont sur la carte mère. J'ai de la poussière dedans. Les pins sont sur la carte mère et pas sur le processeur comme sur un Ryzen. Alors, les Ryzen, vous avez les pins qui sont. Est-ce que vous allez voir? C'est dommage, elle avait fait le. Ouais. Vous avez les pins qui sont sur le processeur. Tous ces petits trucs-là. Alors, l'avantage, quand ils sont sur les processeurs. Enfin, allez! Les joueuses. Hein. Quand ils sont sur le processeur, l'avantage c'est que quand ils sont pliés, c'est vachement plus simple à les redresser, ils sont un petit peu plus gros. Et donc là, la carte mère, elle a des trous et vous mettez le processeur dessus. Donc ça, c'est du Ryzen. Et puis sur les Threadripper, eh ben, eux, ils sont différents. Donc ils sont tout lisses dessous, comme les processeurs du concurrent AMD. Donc là, on voit bien que j'ai mis mes gants à toute grâce dessus. Il faudra que je mette un petit coup de nettoyant thermique, de nettoyant pour enlever la graisse. Là, il n'y a pas du tout de pin, les pins ils sont sur la carte mère. Donc, on a un petit support, le support orange, en fait, il faut le laisser quand on met le processeur dedans. C'est pas juste une protection à retirer pour le glisser dans le socket, il faut laisser le support. Alors, je vais vous demander juste une petite seconde histoire de nettoyer un coup de prosse. Voilà. Donc, essayez de pas mettre les doigts, ou alors si vous avez du nettoyant, vous mettez les doigts, puis après vous nettoyez, de pas trop mettre de graisse.
au niveau des contacts dessous. Et puis pas non plus mettre de poussière dans le socket, c'est mieux. Donc une fois que vous avez le processeur, j'ai toujours peur que ce truc-là il se détache, il faut, c'est super lourd en plus, il faut le glisser dans le petit truc qui se rabat là. Donc vous le laissez aller avec votre cache, donc il glisse quasiment tout seul. Et puis une fois que vous les avez mis, vas-y crache dessus, oh merde, ouais crache dessus, alors entre vous qui dites que vous êtes fétichiste, j'ai un petit peu peur de savoir de quelle façon tu veux que, enfin bref. Une fois que tu as mis le cadre dedans, donc le processeur est sur le cadre orange tu le glisses dans, tu le glisses dans le support, et puis après tu verrouilles le support, clac, donc normalement ton processeur il est en place. Bah ouais, du nettoyant pour frais, mais en même temps c'est dégraissant technique à évaporation rapide, en même temps je peux te dire que ça nettoie quoi. Non mais c'est ça, un petit, c'est vraiment du nettoyant pour frein quoi. Enfin celui-là il n'y a pas écrit nettoyant pour frein, mais c'est le même style quoi. En même temps c'est de la Levide. Mais ça bouffe pas le plastique, et enfin celui-là bouffe pas le plastique parce qu'il y a du nettoyant pour frein qui les bouffe quoi. Donc ouais, faites attention. Mais non, mais c'est vous aussi, vous êtes tout pinés les gars. Vous voulez caresser les processeurs et tout, enfin à un moment ça vient pas de moi quoi. Alors, vous avez mis le cadre, le processeur dans le cadre orange, vous avez glissé le cadre orange, vous avez rabattu avec les deux petits leviers bleus. À ce moment-là, il faut regarder, donc pour fermer, il y a marqué 1, 2, 3. Donc vous mettez la clé dedans et vous commencez à serrer le 1. Alors là, j'ai pas essayé sur cette carte mère, mais sur l'autre, une fois qu'on avait serré le 1 à fond, c'était super difficile d'engager les vis 2 et 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir si je peux commencer à engager la 2 et la 3. Et puis après, je vais faire un petit peu chaque vis. Parce que voilà, encore une fois, quand j'avais fait que la 1 complètement, le socket s'était levé un petit peu, et après j'ai été obligé de bourrer comme un fou pour que la vis elle touche le fond et puis pour pouvoir serrer le truc, et c'était pas très. C'est pareil, je me suis dit si jamais le socket il glisse, le tournevis glisse, je déboîte la carte mère quoi. Ah, tu sens que ça plie. Hein. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez, donc là, si je continue à serrer, alors est-ce que ça va se voir au stream? Si je continue à serrer, la clé, on sent qu'elle fait le clac, et donc là, c'est que j'ai mis assez de force pour la vis, donc je peux passer à la deuxième. Et puis pareil sur la troisième. Donc là, on sent, c'est qu'il y a un moment où la tige, il faudrait que je fasse un repère pour vous montrer. Après, ceux qui ont déjà vu une clé dynamométrique, ils doivent se dire, non mais c'est bon, on a compris ce que c'était, mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Alors, est-ce que vous allez voir le trait noir? Et là, ça doit se voir. Donc il y a un moment où quand on tourne, le trait noir il tourne, et hop, vous voyez, le bout du tournevis ne tourne plus, et puis par contre, la haut de la tête, elle glisse. Donc là, c'est que la clé vous indique que vous avez suffisamment serré le processeur. Donc close, 1, 2, 3, on a fait les 3 vis, c'est bon, hop. Bon ben voilà, donc là on a monté le Threadripper, il va falloir que je remette le rad dessus, parce que ça va chauffer pas mal. Et puis pour se faire un petit peu plaisir, parce que je sais qu'on aime bien tous le beau matos, j'avais pris mes petits kits RAM, histoire de finir un petit peu le truc en beauté. Parce que moi, plugger des sticks RAM, j'aime bien ça quoi. Il y en a qui veulent caresser des processeurs. Alors la question c'est, est-ce que ça boot avec tous ces sticks RAM? On verra ça. En tout cas, je me dis, parce que autant des fois, la RAM, ça sert pas non plus. Tu vois, ça sert à rien de mettre 64 Go de RAM pour jouer à un jeu vidéo. Bon, il y en a toujours qui vous diront qu'avec 64 Go, ils sont plus rapides, ils sont plus stables, ça lag moins, etc. Mais bon, soyons réalistes. Mais après, quand tu as un processeur qui te tape 32 cœurs, je pense que t'as pas trop de toute la RAM, quoi. Oh là là, le poids de la bête quoi. Il n'y a même pas le rad dessus et c'est déjà super lourd. Tu mets un radiateur dessus, mais je sais pas, par curiosité, si j'avais la balance, je serais allé peser le poids du bousin quand il y a tous les rads et tous les stick RAM là, même sans radiateur, c'est super lourd quoi. Enfin voilà, je vous propose de faire un petit passage rapide sur le site MSIF, en tout cas moi je vais le faire, et puis je vais regarder si j'ai oublié
oublié des informations vitales à propos de la carte mère. Donc ils nous disent que ça supporte les processeurs Threadripper première et deuxième génération. Ça, on a vu. Mémoire Quad Channel DDR4 3600 plus sur 8 slots. Donc les 8 slots, on les a bien. Le 3600 plus, j'ai pas testé, mais bon, on veut bien y croire. Je connais les gens qui font les listes QVL chez MSI ou HQ, là, ils sont vraiment très très bons. Peut-être que le nom de TOPC vous dit quelque chose, c'est souvent lui qui fait les records du monde de mémoire. Et dès qu'il s'agit de tripoter un peu à la RAM, c'est sans doute un des meilleurs mondiaux. Il gère, mais enfin, toi tu connais 4-5 timings, t'es content, je l'en connais au moins 10 fois plus. C'est super bien. Alimentation numérique à 19 phases, donc les 19 on les a vus, hein. Il y en a 16 pour le processeur, 3 pour le SoC. Refroidissement avec 10 headers pour les ventilateurs, 3 capteurs thermiques. Alors, je ne sais pas où sont les capteurs thermiques, mais ça serait intéressant de savoir, je me renseignerai. Stockage maximum avec 7 slots turbo M2. Donc les 7 slots en fait en M2, on les a, donc on a les 3 ici. Remarque, je ne sais pas si vous. Je vois plus mon Twitch. Donc. Il y en a un ici, un ici, un ici. Et puis les 4 suivants, ils sont sur une espèce de petite carte, ça ressemble à une carte graphique, je vous disais, et puis vous pouvez les mettre dessus. Ils appellent ça le M2 Expander Aero. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonction? On a le transfert de données rapide avec deux connecteurs gigabit LAN. Donc là, ils sont ici à l'arrière. Ceux-là, on les avait déjà évoqués. M2 Shield Froze pour garder le SSD M2 à bonne température. Donc ça doit être l'avion de chasse. Ça doit être notre petit avion. Donc ça doit être ça qu'ils appellent le Shield Frozer pour garder les M2. Ensuite, Core Boost pour une alimentation adaptée au processeur multicœur. J'espère bien. Deux connecteurs d'alimentation 8 broches. Donc ça, on a vu, hein, pour transférer le 12 volts de la carte mère à la carte d'alimentation à la carte mère. Ensuite, Mystic Light. Bon, à tout ce qui est RGB, 16,8 millions de couleurs, tout ça, je vous passe un petit peu. Je vous passe un petit peu. Les caractéristiques, 17 effets de lumière, aïe aïe aïe. Une expérience ultra rapide, 3 turbo M2, blablabla, donc on remet un petit coup sur M2. Ensuite, Audio Boost 4, la DDR4, Steel Armor, ouais, donc Steel Armor, c'est parce que les slots, ils ont un petit peu de métal au cas où votre stick RAM soit trop lourd pour le slot. Je pense que c'est plutôt visuel qu'autre chose. Support des configurations multi-GPU NVIDIA SLI, 3-way et AMD Crossfire 3-way aussi. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 3 cartes graphiques. Enfin, vous pouvez en mettre plus, mais 3 cartes graphiques qui marchent pour le jeu. Certification pour Windows 10, ça serait quand même triste. Ensuite, garder la tête froide. Alors là, je vais passer rapidement au niveau de la carte, voir s'il y a des choses qui sont sympas. Il parle un petit peu de l'overclocking, les phases d'alimentation, le core boost, les effets de lumière, les puces audio, la RAM. Les produits de qualité, le BIOS, ben le BIOS on le découvrira ensemble un petit peu plus tard. Et puis voilà, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la carte. Je vais jeter un petit coup d'œil au niveau du BIOS, voir si jamais, au niveau du BIOS, ah là là, au niveau du chat, voir si jamais vous avez eu des questions. Où est-ce qu'on en est? Je vois des trucs, mais aïe aïe aïe, comment on peut en arriver à ce point? Petit qui dit Wizerty, oulala, calme-toi. Je pense que c'est. C'est au moment où j'ai eu un petit craquage, excusez-moi, sur le socket. On reviendra pas là-dessus. Je croyais qu'un coup de troll, autant pour moi, merci. Non, non, c'est bien du nettoyant pour frein. Enfin, lui, encore une fois, hein, il s'appelle ça nettoyant, dégraissage technique, etc. Mais c'est le même, quoi. Ponceuse pour retirer les pattes thermiques. Itoké. Qu'est-ce qu'il dit? Si pour serrer les boulons de moteur. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Si seulement il n'y a que ça que tu aimes. Je pense que c'est encore sur ma déviation au moment où vous vouliez que je caresse les processeurs. 128 MO de RAM au total. 8 x 8, 64. Non, c'est des petits sticks là, c'est que des 8. Parce que tout simplement sur les sticks. Moi, je vous ferai une petite parenthèse dans 2 secondes, je finis le chat et je vous rediscuterai un petit coup sur la RAM. Évidemment que je vais montrer les perfs du monstre, mais pas tout de suite parce que là j'ai un meeting. Donc ce soir, je remets ça et puis je vais essayer de trouver comment fixer mon water cooling là-dessus. Parce que t'as vu la taille du truc, quoi. Non, mais sérieux. Regarde la taille du pros, quoi. Hello. Je sais pas.
Pourtant, j'en ai déjà un poignet, hein, j'en ai déjà benché, etc. Mais à chaque fois que je les vois, ces trucs-là. Donc, il faut que je trouve comment je vais faire tenir mon water cooling dessus. Et puis après, je vais voir comment faire tenir mon godet dessus. Et puis après, on va voir un petit peu ce que ça donne l'hyperf. Si vous voulez, je peux même faire le premier boot avec vous. Comme ça, vous verrez un petit peu comme ça marche bien, quoi. Donc je vous donne limite je vous donne rendez-vous ce soir vers je sais pas 18-19 h un truc comme ça et puis on essaye de se faire un test des performances en air enfin, en water cooling 1000 watts en charge à 5,3 ouais c'est ça Greg j'ai même eu des chiffres un petit peu plus haut que ça quoi donc ça va faire mal ça va faire mal bonjour peux-tu donner une ordre de prix sur cette carte mère je crois mais alors à prendre avec des méga pincettes tu vois genre je crois que j'ai vu 500 balles mais faudrait que tu regardes sur le site officiel ou sur les revendeurs. J'en ai aucune idée. Moi, encore une fois, cette carte mère, en fait, elle vient même pas pour la presse, elle vient pour les overclockers. Comme j'aide un petit peu MSI sur. D'ailleurs, je suis à la bourse, normalement, j'aurais dû tester ça avant. Comme j'aide un petit peu MSI à tester le matériel, à faire des retours, etc. Ils m'envoient la carte juste pour ça. Et donc, j'ai pas la boîte, j'ai pas le bundle, je connais pas les prix. Enfin, mon but, c'est pas de faire du marketing pour eux, hein, c'est vraiment de tester au niveau des performances. Et puis, vu que la carte, elle me plaisait vraiment bien, je me suis dit que j'allais partager un petit peu avec vous mes impressions dessus. Et maintenant, il faut que je la boote et puis que je décortique un petit peu tout ce qu'il y a dans le BIOS, tout comment la carte réagit, ce qui va bien, ce qui va pas bien, etc. Et puis que je fasse un petit peu les retours. Donc on va voir. Après, suivant le processeur, la carte mère est pas la seule fautive aussi des fois quand c'est difficile. Je dis pas que ça le sera, hein, j'ai pas essayé, mais quand c'est difficile sous froid, ça peut être la carte mère ou alors ça peut être aussi le processeur. Des fois, le problème vient de l'un ou de l'autre. Et le problème, c'est que quand t'as un souci de froid qui vient du processeur, bah, t'as beau avoir la meilleure carte du monde à côté. Si le processeur pose des problèmes, il pose des problèmes, quoi. Donc ça, on verra bien. 5,3, là, j'ai vu Greg qui disait 5,3 sous azote liquide. Ça peut paraître peu quand tu compares à d'autres processeurs, mais il faut bien garder en tête que t'as peut-être que 5,3, mais en attendant, t'as 32 cœurs, quoi. Enfin, c'est de la folie. Le RGB sur les G-Skill, il est compatible que Asus. Ah non, mais tout ce qui est RGB, mon gars, c'est faut même pas essayer de me demander quoi. Moi, j'ai des sticks RGB où on a dessoudé les RGB. Donc, je peux pas te dire. Puis, comment tu branches ta RAM à ta carte mère quoi? Pour les RGB, t'as des petits connecteurs dessus? Moi, j'en ai plus de sticks RGB, donc je saurais pas te répondre. Et ben voilà, il y a Petit Lu qui répond que c'est compatible aussi avec MSI. Pour l'instant, les premiers bench, je le mets derrière le. Ouais, alors, je sais pas quel bench t'as vu, mais ça m'étonnerait que le 30, enfin que le gros processeur AMD soit derrière le 1950X. Ça serait étrange. Ouais, je pense qu'il y a une erreur. Ou alors, tu as regardé un test, tu vois, tu as regardé Superpeak qui sert d'un cœur, et puis du coup, comme il va moins vite. En fréquence sur un cœur, il est peut-être derrière, mais en même temps, il peut pas être derrière sur un test multithread quoi. Enfin, ou alors c'est qu'il y a un problème. Enfin voilà. Est-ce que vous avez des questions un petit peu sur cette carte? Le nom, je pense pas que c'est pour moi, mais en même temps, je vois pas de questions. Donc je vous dis à tout à l'heure. Pour tester un petit peu l'hyperf. Si jamais vous voulez, parce que bon, vous pouvez me choper sur Facebook, hein, vous m'envoyez un MP ou même sur Twitch. Si jamais vous avez des questions, vous voulez que je fasse des tests un petit peu spécifiques, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, je dis, hey, Wiz, est-ce que tu pourrais tester ça? Et puis comme ça, on essaye de le faire ce soir. Colonel Strike qui cherche un petit peu, qui dit, ouais, peut-être qu'avec 4 cœurs activés, ouais, c'est ça. Bah, sinon, ça serait vraiment étonnant. Vladek 16 qui nous dit il est derrière dans certains tests parce que la fréquence est plus basse dans certaines situations parce que la manière dont le boost se comporte est différent. Ouais, j'ai vu le test de Lucky Noob. C'est violent. Tout le monde n'a pas réussi à passer les 8000 donc ouais, c'est impressionnant. Il me tarde de voir si j'arriverai à faire aussi bien. En tout cas, j'espère fortement. Allez, je vous dis à très bientôt, sachant que c'est dans quelques heures seulement, pour voir un petit peu les performances de ce monstre. Et puis en attendant, je vais essayer de m'activer un petit peu pour trouver comment on va pouvoir refroidir ça avec mon water cooling qui n'est pas compatible. J'ai des petits adaptateurs, histoire de mettre sur le socket pour essayer de transformer un pas de vis que j'ai pas en un pas de vis que j'ai. Puis après, j'irai dans le garage bidouiller un truc.
Parce que c'est aussi ça, être overclocker, tu vois, c'est que quand t'es bloqué. Je me rabaisserai pas à mettre du serre-joint, petite dédicace pour Newell, Warper. Et puis les autres overclockers qui se reconnaîtront, genre RM, etc., qui sont fans du serre-joint, et quand il y a la fixation du rad de la VGA ou quoi qui marche pas, hop, tu prends un serre-joint, tu coinces le truc, clac, 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 et hop, et hop, ça plaque, quoi. Ah, Spicy, t'arrives un petit peu en retard, ouais, autour de, je sais pas exactement l'heure. Regardez, bah déjà, oubliez pas de, comme on dit, de follow là, de vous inscrire sur le Twitch. Comme ça, normalement, quand je pars live, vous avez une notification. Puis j'essaie toujours de lancer un petit peu avant, histoire que vous puissiez rejoindre. Et puis sinon, suivez ma page Wizerty là, Facebook. Et puis j'annonce toujours le stream un petit peu avant. Ouais, je sais pas, 18, 19, il faut que je voie le bricolage. Le truc, c'est qu'il faut déjà que j'arrive à faire tenir le. Faut déjà que je fasse ma réunion, il faut que j'arrive à faire tenir le truc, il faut que je voie aussi avec les enfants. Donc, je suis pas certain encore de l'heure, mais en tout cas, je souhaite le faire aujourd'hui. Donc, ça devrait pas trop tarder, quoi. Allez, je raccroche, parce que sinon, je vais être à la bourre pour la suite. Enfin, je raccroche, façon de parler. Allez, à très bientôt, tchou!